Whisper of Shadow, c'est un projet de création musicale qu'on pourrait décrire comme une conversation entre deux compositeurs, le pianiste romantique créole louisianais Louis Moreau Gottschalk et moi-même, entre deux époques, l'époque de Gottschalk, le 19e siècle, et notre monde contemporain, entre deux mondes culturels très très différents et en même temps très liés par leur histoire, à savoir la Nouvelle-Orléans et la culture française. Et tout ceci inscrit dans un dialogue musical entre des artistes tous autant ancrés dans leur patrimoine culturel respectif que très ouverts sur la création musicale contemporaine, à savoir des musiciens de la Nouvelle-Orléans, des musiciens caribéens et des musiciens français. Me, the most interesting things about Whisper of a Shadow are the material, the origins of the material. To be able to find not only the contributions of Louis Moreau Gottschalk, but to be able to bring his cultural milieu into the present day and make his inspirations relevant. And to do that using a variety of different vocabularies that have developed in New Orleans music over two centuries. Gottschalk, c'était un pianiste et un compositeur né à la Nouvelle-Orléans en 1829, qui a grandi dans l'incroyable brassage multiculturel de cette ville et qui a finalement passé le reste de sa vie à voyager entre l'Europe, tout particulièrement en France, l'Amérique du Nord, les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Ce qui caractérise le plus Gottschalk, à mon avis, au-delà de sa virtuosité, c'est qu'il fut non seulement le premier interprète américain à être acclamé autant en Europe que dans toutes les Amériques, mais qu'il fut également l'un des tout premiers, si ce n'est le premier compositeur américain à véritablement oser s'inspirer explicitement des musiques aux racines africaines, en l'occurrence les musiques afro-créoles dans des compositions classiques. Gottschalk fut avant-gardiste parce qu'il a su tout au long de sa vie de nomade s'inspirer des cultures qu'il a traversées et intégrer cet héritage dans ses compositions. Et d'une certaine façon, il allait, sans le savoir, influencer le développement des musiques populaires américaines à l'aube du XXe siècle, comme c'est le cas pour le ragtime, le danson et tant d'autres. Lorsque j'étais à la Nouvelle-Orléans pour la première fois, je revenais de plusieurs années de recherche à Cuba, en Argentine, en Uruguay et au Pérou sur les traces des métissages des musiques africaines et européennes dans les Amériques. Et la Nouvelle-Orléans s'est vite révélée à moi comme une sorte de point de convergence qui résonnait avec l'ensemble des recherches que j'avais faites jusqu'alors, non seulement dans sa situation géographique, mais également par son brassage culturel foisonnant, surtout au XIXe siècle. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert complètement par hasard l'existence de Louis Moreau Gottschalk. En plongeant dans son univers, en cherchant à rentrer en relation avec son époque, ses sources d'inspiration comme la poésie, les musiques populaires, la musique afro-créole, la musique classique de son époque, des instruments comme le banjo ou des thématiques comme la mort, j'ai senti un fort écho sur mes propres expériences et sur ma démarche. Et des compositions et des arrangements sont peu à peu venus de façon très organique. Et c'est finalement à ce moment-là que ce projet de création contemporaine est né.
Le clarinettiste Evan Christopher, que j'ai rencontré dès le début de mon exploration de la culture de la Nouvelle-Orléans et de ses musiques, a une place toute particulière dans ce projet. Non seulement parce que c'est un musicien que j'admire et à bien des égards nos démarches se rejoignent, mais aussi parce qu'il fut une sorte de guide à la Nouvelle-Orléans qui m'a permis finalement au long de ces années de mieux comprendre cette culture de l'intérieur et de m'en imprégner. Et j'avais vraiment envie du coup de le mettre à l'honneur et qu'il co-dirige le travail d'interprétation des compositions avec moi, dans la mesure où il maîtrise parfaitement le langage musical de cette ville. Après-midi, mon gardé. Dimanche après-midi, mon gardé. Dimanche après-midi, mon gardé. Dimanche après-midi, mon gardé. Et mon guinéen est campé là, il est chanté pour le cola. I think for this project, there are many dimensions to it that are relevant to the New Orleans community today, but really any community that wants to use its traditions, especially its musical traditions and history, to move itself forward. Because we were able to do the recording for Whisper of Shadow here in New Orleans, we benefited from the wealth of talent that's here. So not only do we have some of the stars of modern New Orleans music, like Roland Guerin on bass, and Herlin Riley on drums, and Nicholas Payton on trumpet, but we had other artists, spoken word artist Chuck Perkins, and sort of a lot of people that you wouldn't necessarily think of bringing together. And then to top it all off, among the nearly 25 musicians that we had, our string quartet was from France, so it made for a very nice cultural dialogue as well. The combination of all these people from sort of different aspects of New Orleans music made the project really strong. Combining so much from the European classical tradition with the vernacular traditions of New Orleans, it's not the easiest thing to do. Johann Guillaume has done an excellent job of trying to find ways, very thoughtful ways, of combining these worlds so that they complement each other, but it still seems organic. Even just the texture of the strings in combination with what we're doing, it adds a layer of color and a palette of emotional vocabulary that you can't just achieve with just the band instruments. The strings really add another level of depth to the emotion. Thank you.
One of the most significant things about Johann Guillaume's aesthetic is not just the way he's looking at New Orleans and New Orleans traditions, but the way he's looking at music and its function for people. I think that's why New Orleans figures so significantly, because this is really one of the last places, at least in the United States, where the musical culture is so connected to the life of the people. If Johann recognizes that, and it's not just about letting the world know about New Orleans, but letting the world know how to use music in a spiritual way.